Je ne suis pas sûr que ça soit les contreparties, mais par contre, il faut mettre en place une plus grande transparence, et notamment, pourquoi ne ferions-nous pas tous les ans en conseil municipal une délibération autour de la construction des logements. C'est-à-dire que si nous avons un observatoire du foncier qui est suffisamment pertinent et percutant pour nous donner tous les ans le nombre de logements qui ont été construits sur la commune, pourquoi n'en parlerions-nous pas en conseil municipal en le mettant en corrélation avec le PLH, c'est-à-dire les obligations que l'on s'est données en termes de construction. Et donc là, il pourrait y avoir un débat entre les élus de la majorité, les élus de l'opposition, et que les habitants entendraient. Et donc, ça pourrait également éveiller l'esprit des habitants qui dirait « Ah ben oui, effectivement, on avait prévu de faire tant de logements, on en fait moins. » Donc ben, peut-être que ça abaisserait les niveaux de tension qui existent aujourd'hui puisque chacun veut garder son pré carré et ne veut surtout pas qu'à côté de son immeuble de 3 étages, il y ait un immeuble de 4 étages qui se construise.